Ok, yo tout le monde, ici Jarkost. Là, sache que là, en gros, je vais très beaucoup bégayer, en gros. Donc, s'il te plaît, te moque pas, parce qu'en gros, je suis très fatigué. Exactement 17h27 du soir. Et en gros, je suis très fatigué, parce qu'en gros, il va que j'ai un truc qui fait que je fatigue. De 2, j'ai fait une journée intense au local. De 3, Iam se couchait un peu tard, donc en gros, il me suivait à 11h. Et voilà quoi. Bref, mon grand-père est arrivé. Je vais faire le montage après, sur ce, ou demain peut-être en gros. Voilà, sur ce, let's go pour gameplay et let's go pour intro pété quoi. Let's go. Yo tout le monde! Comment ça va? Ici Jarkost. Aujourd'hui, niveau gameplay de NFL, le fameux NFL Nil. Bref, déjà un peu bégayé ce coup-là, mais je suis vraiment désolé, quoi, je bégaye à mort. Bref, aujourd'hui, nouveau gameplay de NFL Zone. Donc, oui, j'ai une petite idée de montage, t'inquiète pas, en gros, pour aller yo tout le monde en gueulant, tu vois. Et voilà, quoi, en gros. Ouais, et donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de gameplay sur NFL Zone. Oui, je te l'accorde, mon gars, c'est du lourd, quoi. Bah, ça va, en gros, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de gameplay sur NFL Zone, parce qu'en gros. J'étais occupé par je baisse un peu son, désolé. J'étais occupé à préparer un projet rap que d'ailleurs sur YouTube il est dispo sur YouTube quoi en gros. Et voilà qu'en gros il est dispo sur YouTube en gros tu peux aller checker ça voilà. C'est du bon, c'est du bénéf, c'est de la bonne, non je déconne. J'ai pas comme si j'étais drogué quoi. Bref, aujourd'hui le gameplay encore une fois je le dis de NFS The Run. Oui encore une fois le mode défi comme t'as vu tu connais la suite quoi. J'ai besoin de thé. Parce que le thé, c'est ta bonne. Ça va, mec. Bien infusé comme je l'ai. On va pouvoir commencer. Et oui, je te l'accorde, mais je suis un mec totalement bizarre, fais des montages bizarres et tout sur le truc, quoi. Voilà. Je suis un mec bizarre, voilà. Ouais, j'ai un petit idée de montage pour l'intro, quoi, en gros. Attends, gros, tu parles de ça, regarde. Oui, écoute, mais je parle de ça, écoute, on m'accepte comme je suis, quoi, on peut pas me corriger, quoi, écoute, oui, je parle de ça, oui, le montage de merde, quoi, voilà, montage qui n'a pas de sens, voilà, quoi, tu m'as compris, quoi. Alors, déjà, écoute, gros, si tu veux pas que les gens sur YouTube te disent que t'es bizarre, évite de faire un montage comme ça. Ouais, mais mec, c'est fait exprès, tu vois, en gros, c'est pour mettre le fun, tu vois, si t'as vu et tout, tu vois, sans deck. Ouais mec, mais à certaines doses, ça devient un peu bizarre quoi, donc évite de faire tout le temps un montage comme ça, c'est pour qu'on dise que t'es bizarre quoi. Voilà, c'est un conseil que je te donne quoi. Oui, écoute, ouais, si tu veux, écoute, je fais des montages comme ça pour faire du plaisir, tu vas pas me reprocher ça quand même, non? Non, j'arrête, let's go, let's go, let's go. Voilà. Donc, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. D'accord. On l'a fait, d'accord. Ah oui. Déjà un truc dans la gorge. Petite coupure. Je vais pisser en coup, tu vois. Non, sans deck. Petite coupure, à tout de suite. Yeah. Oh merde, merde, merde. Désolé. Pas fait exprès. Enfin, ouais, un mec qui était tombé, la manette est tombée, et donc, c'est toujours, ouais, c'est toujours, d'accord. Et donc, je voulais faire un petit intro, aïe aïe Kalamba, tu vois, le petit baillement de l'amour, quoi. Non, sans deck, sans deck, sans deck, sans deck, sans deck. On va commencer! Je meurs. Déjà fait. Bon, fait 3 minutes, d'accord, il est temps de se grouiller là. Pif, pif, pif. J'ai une petite mélodie comme ça, tu vois. Ouais. C'était de la merde, voilà.
Yeah, oui, d'accord. Installe la voiture des années 70. Oh putain, Jedar Ghost, réveille-toi, arrête tes cachetons, quoi. Yes, en gros, tu vois, je prends des cachetons qui fatiguent, quoi. Je dis pas. Des tas, ça prend à me prendre pour un taré, voilà. Comparons la Dodge. Non, celle-là. Non, non. 4-3. Ouais. 4-6. 4-7. 1-1. Ouais, bah, grosso modo, à prendre. Non, pas la Lamborghini. J'allais la prendre, mais c'était de la merde, Lamborghini, quoi. Bon, on va prendre la Porsche, écoute. Attends. Qui casse? Oh, si, ma gueule, la Porsche 900 GT3 et la. Allez, là, la fameuse Porsche 900 GT3, c'est de la même. Ouais, je vais prendre la couleur pour vous. Attends. On va voir comment aller d'abord. Allez. Oh, comme ce stylé, ouais. Petit coup de thé dans mon gameplay. Parce qu'il était de la même. Ça va, mec. Je suis un gros amateur de thé, de chocolat, de café et tout ce qui existe, quoi. On aura un théo qui apparaît, c'est pas grave. Et j'ai un des autres, j'ai un contre eux, hein. C'est juste que je parle comme un théo pour faire de l'humour, quoi, voilà. D'accord, ça commence avec un petit saut, super. Allez, drift, ma grande, drift. Fais mal ce que t'as ce capot là, bordel de shot. Eh merde. Non. C'est bon. Eh putain, il m'a gêné, connard. Toi, tu vas pas faire chier, quoi, en gros. Parce que je vais te retamer ta gueule, tu vas comprendre. C'est bon, ça. Viens, viens, ta caisse, mon gars. Viens, viens. Et boum. C'était un échec total. Putain, regarde, démat ta caisse, mon gars. Démat ta caisse. Mec, gros, démat ta caisse. Vous les voyez comme ça, tu vois. En faisant un peu de mort, quoi. Boum, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta caisse de merde? Qu'est-ce que tu vas faire? On va faire check ce caméra, lui. On va bien ta caisse, mon gars. Démat. Et putain de merde. Faut que je l'aspire. Là, il est arrivé mon côté obscur là. Être un côté obscur dans la force. Darth Vader, tu vois. Le démon qui sommeille en moi a été réveillé, le démon du gaming. Et paf, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Hein, mon gars? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Oui, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, mon gars, tu m'as fait chier. Maintenant, tu payes. Ça va, mec. Tac, mon gars, c'est comme ça qu'on est chez nous. Ah, chez mon chat. Enfin, moi, ça fait du bien. Bon, j'ai eu peur, je crois qu'il y avait eu un bug, je croyais. Je suis trop peu émo, je suis fatigué, bah, j'étais au local tout à l'heure. Je tiens aussi à faire un petit décasse en gros pour une meuf dont j'ai parlé
Pierre Congo. Il m'a dit, ouais, c'est un gosse, pourras-tu faire une dédicace, s'il te plaît? Bah écoute, dédicace à toi. Dédicace à toi. Je sais plus ton nom, je m'excuse, mais en gros, dédicace à toi, t'inquiète pas, voilà. Voilà. Mais kiffé. Tu vois le truc? C'est mort. J'aurais dû prendre le raccourci. Ok, lui va faire chier lui. Chez bon cher. Ce mec a voulu me pourrir la vie. Oh, c'est magnifique le contrôle chez bon cher. On va faire gaffe à la carte maintenant si on a plus qu'un flashback. C'est serré. L'impro la plus petite que j'ai faite. Pour casser les bonbons, lui. On va freiner un peu, on va freiner un peu, on va freiner un peu. On va prendre un raccourci, c'est bon. Allez, toc moi, c'est bon, chef. C'est cher, c'est cher. Désolé pour la conduite pourrable. Ça passe plus. Fais monsieur. Fais monsieur, c'est bon monsieur. Fais monsieur. Bonne croche, s'il te plaît. Oui, 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 le template, je sais, ça sera là qu'en gros. Et super la note DR8. On a eu chaud, on a dû jouer à l'agressif, sur la presse c'était chaud. Voilà. Bon. Ah oui, pour tous les amateurs cappuccino comme moi, et le cappuccino, excuse-moi, je vous recommande le Nescafé que vous vendez, qui vend à Leclerc, Carrefour, truc comme ça, tu vois en gros. Je vous recommande un Nescafé, c'est le Nescafé Vanille Cappuccino. En gros, c'est marqué Nescafé. Deuxième phrase, Cappuccino. Et le deuxième. Wow, wow, wow. Ça fait combien de fois que tu es deuxième là? Tiens, replay. Deuxième. Trouve tes mots du argot, c'est troisième, bon sang. Bah, Vanille. C'est marqué dessus, c'est la Vanille de toute façon. C'est marqué dessus, c'est la Vanille, excuse-moi, je bégayais. Donc, la suite. 5. Oui, aussi pour les amateurs de thé en gros. Non, j'arrête, je te dirai ça tout à l'heure, j'arrête de parler, je te saoule quoi, je sais. Je sais que je saoule, t'inquiète pas, je sais que je saoule. Sans déc. Apparemment, c'est la même en tunée. «
D'accord, apparemment les autres sont bloqués. Bon, écoute, on va prendre la... Ça, ce truc de merde. La voiture qui date des 1970, quoi. 1970. Mais non, pourquoi j'ai fait ça? Ah oui, PS, pourquoi je dis pourquoi j'ai fait ça? En gros, si tu veux, j'ai voulu la prendre en tuné, sauf qu'en gros, bah, j'ai pas choisi qui carrosserie. Voilà, quoi. Let's go. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment fatigué là en gros, j'ai... Ah, je trouve les mots, tu vois déjà le truc quoi. Je suis fatigué, j'ai bougé beaucoup cet après-midi. Hier j'étais au cheval en gros, je me suis levé à 11h, je me suis couché à peu près 22h. Bon, désolé pour mon bégaiement quoi. Ça que tu appelles 3 secondes 6 par 100 km/h. Bah c'est pas si mal que ça hein. Alors le mec, il a dû se dire, bah mais 3 secondes 6 comme ça ils vont y croire. Bah écoute, non, 3 secondes 6 ça doit être réellement 3 secondes 6 de 0 à 100 km/h, je suis désolé. Je suis désolé, 3 secondes 6, t'appelles ça 3 secondes 6 toi? T'appelles ça 3 secondes 6? Franchement, eh écoute, t'appelles ça 3 secondes 6? Moi j'appelle ça 100 secondes 6. La vanne qui date des années 2000, voilà. Non, c'est en gros, t'appelles ça 3 secondes 6 toi, mec. Attends, t'appelles ça 3 secondes 6? Oui, ça fait plusieurs fois que j'appelle, mais c'est pas grave. J'appelle ça, Bah, je sais pas quoi, j'ai plus un pro. T'appelles ça rien en 3 secondes 6 toi? Bah, putain. On a bien montage de vidéo avant de le publier sur Instant Gaming, hein. Ou ce que je veux dire par là en gros c'est que regarde bien ton montage du jeu quand tu fais le montage, quand t'as creusé les voitures, la nose et tout dans le jeu. Regarde bien avant de le publier qu'il n'y ait pas d'erreur hein, sur les sur le net quoi en gros, le vendre sur les magasins quoi en gros, tu m'as compris quoi, voilà, tu m'as compris. Hashtag le mec a du mal à parler. Ouais, c'est pas si phénoménal. Ouais. Cette voiture a du mal à tenir la cadence. Tac, mon gars. Oui, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rien faire. Mec, ça s'appelle le karma, ça total. Ça s'appelle le karma total, ça. Le karma, quoi. Bon, me faire chier que ce galardo lui en gros. Vous avez le monde aussi. Savez-vous si le système de dose en réalité bien sûr en gros existe comme dans Fast and Furious, Need for Speed et tout, tu vois Burnout, Dreamhead. Dites-moi en commentaire si le système de Nitro existe. Toujours demander ça quoi. Voilà. Vraiment, je suis fan de tout ce qui est tuné, système de nitro. Et je me suis crashé. Qu'est-ce que je prends moi pour être excité comme ça? Bon, non, pas coupé apparemment. Pas coupé. Bon, avance avec ton camion, toi, t'as avec ta poubelle là en gros. Casse les fous, je te jure. Eh merde. Mais non, mais je veux aller là-bas, putain.
Voilà pourquoi je veux aller là-bas. Parce que là, je me prends des crashs. T'es con, toi, je. Merci les producteurs de NFS. Oh là, putain. Voilà, quoi. Pouvez-vous me mettre sur l'autre côté de la route et de me crash encore? Ceci s'appellera l'épisode Bane. Arrête de tourner sur le mauvais côté de la route, s'il te plaît. La poubelle. Hashtag le mec sans spi, quoi. Bon. Bien, apparemment, on appelle ça bien un ordinateur. En gros, les ordinateurs ne se crachent jamais. C'est configuré pour. Ah. Et je me suis trompé, les ordinateurs se crachent quand même. Les ordinateurs se crachent quand même, excusez-moi. Voilà. Moquez pas, ouais, c'est pas parler et tout. Bah écoute, mais je suis très fatigué en gros. Très fatigué. Mais vraiment très. Mais vraiment très. J'arrête. Me dépasse pas, je te tamponne. Voilà. Besoin de thé. Oh putain de cacheton quoi, ça me fait tousser, ça me fait aller travers les cachetons. Une BMW qui a 315 km/h. Non, j'ai pas le temps de lire quoi. 3,8 de 0 à 100, d'accord. 3,9, 3,6. On a ici une fameuse. Fan de tout. À ce moment, je suis fan de faire jeter comme tu veux, sa mère. Désolé. Attends. Je crois qu'il n'y a pas mieux. On va prendre un Scalen GTR. Vous allez voir par vous-même pourquoi je dis qu'il n'y a pas mieux par la suite du gameplay. Vous allez voir par vous-même. Parce qu'en gros, si tu veux, d'un, elle drifte bien. 2, elle est très rapide. Et elle a tout ce qu'il faut qui va avec pour le positif, quoi. Voilà, let's go. C'est pas une V-Spec celle-là, à mon humble connaissance. Je sais pas si ça se dit, bon, c'est pas grave quoi, je sais pas si ça se dit. Mais à mon avis, je crois que c'est une V-Spec celle-là. Ouais, c'est vieux, 2008, je sais, t'inquiète. En gros, je sais que c'est vieux, t'inquiète pas. Parce que la Skyline GTR n'est pas nouvelle. À date de 1979. De 1939, excuse-moi. Voilà comment je parle réellement, parce que je bégaye souvent en gros, c'est le stress. Je suis un mec beaucoup stressé, quoi. Voilà. Je suis un mec beaucoup stressé, quand je stresse, je bégaye, voilà. Et en même temps, ça m'aide pas, en gros, tu vois, je me drogue au thé, quoi. Je me drogue au thé, et en gros, le thé, ça excite. Après, tu stresses quand t'es excité, voilà. Hamdoullah, je déconne. Attendez. Ok, allez poulet. 1058, je file. Ouais, je m'arrête, mais tu crois vraiment que je vais m'arrêter?
dans ton rêve, mon gars, dans tes rêves. Dans tes rêves. Oh le drift, ma gueule! Oh là là, c'est magnifique le drift, c'est magnifique. Ah, une maniabilité excellente ta voiture. Combien t'as pris? Mingle. Attention le mur. Fuck ma gueule, je suis bon, c'est bon. Ok, le petit salam. Eh mon gars, une conduite vraiment de qualité, ma gueule. Je suis bon, tiens. Ah, je crois qu'à la base, un Nissan est une voiture de drift. Voilà, en gros, la voiture Skyline, c'est. Allez, bonne maniabilité quoi, maniabilité. Voilà. Donc, en gros, si t'as joué au NFS Bat, tu verras que la Skyline est très bonne. Non, mais c'est me crash sa mère. Allez, les gars, on se reprend. Et merde. Ouais, je sais que c'est en tête, t'inquiète, je sais que c'est en tête, mais je me le rappelle pas, je sais très bien quoi. Allez les gars, on le lâche pas. Le coach s'est passé, il est passé. A toute la visite, il est passé. Hey, bye bye tout le monde, j'espère que ça m'a plaisir, n'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne, comme ça fait toujours plaisir. Jargon, n'hésite pas à aller voir ma chaîne YouTube, mon nouveau rap sur YouTube, voilà. Ouh, c'était du Dark Ghost. Désolé pour mon gaiement et je suis très fatigué, le sais. Donc s'il te plaît, te moque pas de mon bégaiement, parce qu'en gros, je suis un mec très stressé et quand je stresse, je bégaye beaucoup. Donc s'il te plaît, te moque pas, voilà, c'est du Dark Ghost. Ciao. Et oui mec, je te l'accorde, je vais faire un petit montage comme ça, bruit de paix, Stéphane Berg, tu vois si t'avais la famille, non j'y connais. Bref, j'ai fait un petit montage comme ça pour faire plaisir en gros, pour juste pour plaisir quoi en gros, sans, si tu veux. Bah j'avais pas un speed, je me suis dit tiens, faire un petit montage comme ça ça va être drôle quoi, tu vois, le truc comme ça, voilà. Le truc de merde, le P, le Stéphane Berg, tu vois. Ah ça en gros. Le P, déjà d'un, c'est marrant, pour les petits, et également aussi pour les grands, entre parenthèses. De deux, Stéphane Béa, c'est quand même une star de la France. Alors, en gros, c'est utilisé par beaucoup de youtubeurs, notamment Bob Lennon. Et j'en passe, quoi, voilà, en gros. Bref, je vais vous faire un petit montage comme ça, en gros, je trouvais ça stylé, quoi. Stéphane Béa, c'est stylé, le P, c'est stylé, quoi, en gros. Ah, je suis un mec sans speak, quoi, bah, c'est déjà Argus, n'hésite pas à liker encore une fois, je sais, c'est déjà Argus, c'est déjà encore, allez, ciao, quoi.